Salut à tous, c'est Mathieu, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne BookTube pour la vidéo In My Mailbox du mois de mai 2015. Alors comme vous avez pu le voir sur la petite miniature de la vidéo, je n'ai que 6 livres à vous présenter, donc vous êtes bien sûr fiers de moi. On applaudit. On va commencer tout de suite. Les deux premiers livres que j'ai à vous présenter sont des livres que j'ai eus grâce au meet-up organisé par Marine de la chaîne Tartine aux Pommes. Si vous ne la connaissez pas encore, je vous mets le lien de sa chaîne en barre d'infos. Et donc, j'ai d'abord eu un Mary Higgins Clark, Joyeux Noël, Merry Christmas, donc aux éditions Le Livre de Poche. Ce sera l'occasion pour moi de découvrir cet auteur de policier, parce que je n'ai encore jamais lu de livre de Mary Higgins Clark. Donc ça tombe bien, et ça me permettra de découvrir cette littérature un petit peu anglo-saxonne. J'ai ensuite eu Artemis Fowl de Eowyn Colfer. Eowyn, je ne sais plus comment on dit. Donc, publié aux éditions Gallimard Jeunesse. Donc, j'avais lu de Eowyn Colfer Warp, si vous vous rappelez, pour ceux qui me suivent depuis assez longtemps, que j'avais beaucoup aimé. Là, je me suis dit que c'est du jeunesse, ça doit se lire assez vite, donc du coup, pourquoi pas. Le prochain livre que je vous présente, c'est mon seul achat du mois de mai 2015, et là, c'est toute la fierté qui ressort de cette vidéo. Il s'agit du livre Sœur Sorcière, le livre 3 de Jessica Spottswood, publié aux éditions Nathan. C'est une trilogie que j'ai hâte de terminer puisque la fin du tome 2 est terminée sur un cliffhanger de ouf, de la mort qui tue. J'ai très très hâte de terminer cette trilogie pour connaître le fin mot de l'histoire. Ensuite, je vous retrouve avec un partenariat. Il s'agit d'un partenariat avec Hachette Black Moon. C'est donc Red Rising de Pierce Brown, donc en épreuve non corrigée avec quand même une très belle couverture. Pour l'instant, les avis qui sont sur la blogo sont unanimes sur ce livre. Il est addictif, il est prenant, il est surprenant. L'univers est un univers original. Donc je vais le lire en juin et j'ai hâte de me faire mon propre avis. Ensuite, les deux livres et les deux derniers livres que je vais vous présenter sont des partenariats, pardon, avec les éditions Milan Macadam. Le premier livre, c'est un livre que je n'avais pas demandé à cause de la couverture, mais comme ils m'ont quand même envoyé, je vais le lire, comme ça je n'aurai plus d'excuses. Alors, avant que je vous dise des bêtises, je vais quand même regarder comment ça se prononce, enfin, quel est le... Bon, je ne sais pas, on va faire au feeling. Je vais dire La révolte de la colombe, tome 1, Moon, je pense que c'est dans cet ordre-là, de Karen Bao. Donc, publié ces éditions Milan Collection Macadam. Alors, cette couverture, elle me plaît pas du tout. Il y a une autre cover qui avait été faite par les éditions Milan Macadam que j'aimais beaucoup plus. Voilà, ce sera l'occasion de découvrir pour moi ce livre, parce que le résumé donne quand même bien envie. Et enfin, le livre que j'attendais le plus au monde pour ce mois de mai 2015, il s'agit de Half-Bad, le tome 2, Nuit Rouge de Sally Green. Publié aux éditions Milan, avec une très jolie couverture, avec un toucher velouté magnifique. Et voilà le tome 1 qui est ici, et qui est aussi ici, et que j'avais vraiment adoré. Donc je vais lire aussi en juin, et je vous donnerai mon avis dans une prochaine vidéo. C'en est fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je voulais vous remercier pour la vidéo ouverture de la fac. Vous avez été pas mal à me poser des questions. De toute façon, elle sera à la fin de la vidéo, donc si vous voulez me poser des questions pour la future fac, n'hésitez pas, ça me fera toujours plaisir d'y répondre. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine, faites de très belles lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!